Je suis très content que vous soyez tous venus ce soir ici et je suis sûr que ça ferait très plaisir à maman aussi. Ça me fait tout bizarre de me dire qu'elle est plus là. Enfin. Allez, on va arrêter avec les discours. À mamie! Patrick, toi, t'as eu une augmentation, j'ai entendu. Moi, dans l'appart, toi, t'as la marina. Tu peux arrêter avec ton portable, on est en famille là. Pas mal, je fais beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures? S'en fout. Tu passes ce soir d'autres. Ah, enlève-moi ces écouteurs. Dubaï, c'est vraiment la destination. Ça rassure avec ta mère. On s'en fout, putain! On s'en fout de tout ce que vous dites! Mamie est partie! Mamie est morte! Mais vous êtes là à discuter de vos problèmes, juste pour avoir bonne conscience. Eliott, assieds-toi. Non, la ferme. J'en ai marre de vous voir faire semblant être une famille, alors qu'on n'est pas une famille. Si toi, tu faisais un petit peu autre chose que de penser qu'à toi, t'aurais remarqué que ta fille, elle est complètement paumée et qu'elle passe ses journées à sécher les cours. Comment ça, tu sèches? Non, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Pour toi aussi, c'est trop tard. Ton bac, tu l'auras pas. Tu le sais très bien. Mais bon, ça, c'est peut-être un petit peu aussi de la faute des parents. Qu'on jamais pris le temps de te donner une vraie éducation. Mais qu'est-ce que tu racontes, Eliott? La vérité. Juste la vérité. La vérité, c'est que tu te tapes la copine de ton frère, parce que t'es jaloux de lui. Quoi? Toi, tu comptais leur dire quand? Qu'il a aucune raison d'être jaloux de toi, puisque de toute façon, t'es au chômage depuis 3 mois. Non, il te l'a pas dit. Il te l'a pas dit parce qu'il a peur de te perdre. Parce que lui, il t'aime vraiment. Même s'il sait pertinemment que t'es là que pour son fric. Et toi, tu combles le vide de ta vie sentimentale avec ton fric, avec tes voyages, ta voiture, ta maison. Mais tout ça, ça vaut rien. T'es tout seul. Je suis désolé que t'aies à subir ça, papy. Mais ça, c'est pas une famille. Ça m'a fait plaisir que vous soyez réunis pour mamie.